Ah, bonjour. Comment ça va? Oui, alors bon, bah, aujourd'hui on va découvrir un mot très simple, un mot que l'on n'utilise pas ou très peu. Moi je ne l'utilise jamais dans mon vocabulaire, pourtant très riche. Hein. Et ce mot aujourd'hui c'est superfétatoire. Qu'est-ce que veut bien pouvoir dire superfétatoire? Simple, aujourd'hui j'ai fait simple, hein. C'est début de semaine, fatigué, donc je me suis dit, mollo après le week-end, ne les angoisse pas Eric. Alors, superfétatoire, on regardera la définition officielle dans le dico dans un instant, mais là, de tête comme ça, je pense que c'est relativement simple. Super, bon bah, super, hein, c'est super. Fêtes, ah, vous en faites tous les week-ends, des fêtes, ouais, une super fête. À Thouars, un joli petit village du sud de la France, j'imagine. D'où d'ailleurs l'expression « aller à Thouars ». Voilà, bon, bah là, c'est super fêtatoire. C'est-à-dire que vous faites une méga teuf dans le petit village de Thouars. C'est pas bien compliqué. Je suis désolé d'avoir pris un mot aussi simple. On va chercher exactement la définition exacte. Alors... superfétatoire. Il m'énerve ce dictionnaire qui dit jamais les choses comme il faut. Pouf ! Désolé, non, c'est pas ça. Et alors ? C'est lundi, c'est le début de la semaine, on est fatigué. Permettez que... Hein ? Bon, hé, dis donc, hé. Allez, salut, à la semaine prochaine. Toi, tu commences à me gonfler grave. Oh,